Bienvenue sur Eurosport pour suivre une nouvelle étape du circuit européen, la Coupe d'Europe de triathlon de l'ETU. Et nous allons commencer par Genève en Suisse avec des images particulièrement calmes. Et vous allez voir que le lac peut être particulièrement déchaîné. On le verra d'autant plus que pour l'épreuve de natation, les conditions étaient difficiles. Pour nous accompagner aujourd'hui, Jean-Christophe Bourdin de Triathlète Magazine. Et nous avons au menu deux étapes, donc l'étape de Genève et ensuite l'étape de Brno en République tchèque. Et puis on vous donnera bien évidemment toutes les nouvelles du front de ce week-end qui ont été particulièrement actifs, notamment sur le sol français. Et pour commencer, on va avoir le droit donc à une distance olympique, c'est un peu le menu du circuit européen avec les femmes qui vont se préparer dans quelques instants. Une Coupe d'Europe, Jean-Christophe, on avait dit en début de saison qu'il allait voir un certain nombre de têtes de série, qu'on allait avoir du beau monde. Et puis finalement, au fil des étapes, on s'aperçoit que le plateau n'est pas toujours là. On retrouve un petit peu toujours les mêmes triathlètes au départ, que ce soit chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, cette Coupe d'Europe est dominée par le Néerlandais Denis Loes, qui a remporté deux étapes, les deux premières étapes, et ensuite qui a toujours joué placé. Il a terminé deuxième quand même des championnats d'Europe, qui faisait partie de cette Coupe d'Europe également. Zambatelli derrière le champion d'Europe en titre, donc le Belge Luc Van Lierde, et donc Denis Loes domine assez copieusement en fait cette série. Et chez les femmes là, que l'on voit en train de partir là dans une sacrée houle quand même, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est Nancy Arendkemp, une luxembourgeoise un petit peu nouvelle là au plus haut niveau cette saison, et qui domine un petit peu cette Coupe d'Europe. Nancy Arendkemp qui a la particularité d'être parlementaire européen au Parlement de Luxembourg, en même temps que triathlète de haut niveau et de très haut niveau. Eh bien c'est parfait, en tout cas c'est elle qui est dans les avant-postes en compagnie de la Hongroise Nicolette Pecci. Il y a également une Sud-Africaine, car il faut savoir dans un grand nombre de disciplines sportives, eh bien la République Sud-Africaine est assimilée comme pays faisant partie de l'Europe, pour un étrange découpage politique mais qui date de l'époque de l'apartheid. Et puis il y a également la Norvégienne Anne Heldegaard et la Suissesse Brigitte Huber, que l'on avait déjà vu à l'œuvre en début de saison. Vous le voyez, le lac Léman peut être particulièrement agité. Et c'est en l'occurrence Nicolette Pecci qui est actuellement en tête sur ses 1500 mètres de natation. Et coup de chapeau au passage au cadreur qui réussit malgré la tempête à garder un niveau de cadre relativement bon. Car là, les conditions de natation sont difficiles. Hein, c'est difficile parce que c'est le genre de houle là où on se retourne, on tourne la tête pour prendre la respiration, on prend une grande vague dans la figure. Résultat, c'est une grande tasse et on n'a pas pris sa respiration. Donc c'est quand même très difficile. Le rythme est un peu plus haché aussi. C'est difficile de trouver un bon rythme là-dedans. On est un petit peu ballotté comme un bouchon sur cette mer très agitée, mais en fait sur ce lac très agité. Et c'est vrai que c'est quand même assez difficile. Et là-dedans, ceux qui sont pas trop nageurs, ils sont pas à la noce. Hein. Alors la grande nouvelle de ce week-end, c'est bien évidemment sur le circuit de l'étage au-dessus. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques jours, dans une quinzaine de jours. Et bien c'est tout simplement la victoire de Philippe Fattori sur une étape de la Coupe du Monde. C'était au Brésil. L'étape précédente, il avait terminé deuxième. Et là, je crois que c'est un juste retour des choses parce que c'était une victoire qu'il attendait. Hein. C'est vrai, il l'attendait. En fait, il l'attendait depuis trois saisons, qu'il est maintenant sur le circuit de la Coupe du Monde à la recherche de cette victoire. Il avait fait deuxième la semaine auparavant, toujours au Brésil. Et là, eh bien, il a concrétisé sa grande forme, parce qu'il ne faut pas oublier que Philippe Fattori a eu un début de saison complètement gâché, complètement perturbé par des problèmes physiques, beaucoup de problèmes physiques. Il a eu un mal fou à s'en remettre et il s'est retrouvé en fait au moment du championnat de France. Il a remporté le championnat de France à Bessines et là il s'est retrouvé de plus en plus en forme et ça se concrétise donc ici sur cette étape du Brésil. Voilà maintenant en tête la luxembourgeoise Nancy Arendkemp qui est revenue maintenant sur la Hongroise. Simplement pour clore le chapitre ETU, sachez que les deux étapes, celle de Bahia de Rio, vont se succéder avec quelques jours d'écart. Surveillez bien vos programmes télévision et on ne sait pas encore si on pourra avoir la présence de Philippe parmi nous lors de la diffusion. Ça dépendra un peu de son départ pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie, puisque le circuit ETU va terminer sa saison dans l'autre hémisphère. On assiste maintenant à la sortie de l'eau avec Kemp et Pecci qui sont sortis en 25-10, pas étonnant compte tenu des conditions difficiles de natation.
Ouais, c'est un temps qu'on pourrait presque qualifier de médiocre, mais vu les conditions, il ne faut pas s'étonner de voir un temps aussi long. Là, c'est Kim Carter là, qui sort, la sud-africaine, qui appartient au club de Tricastin depuis deux saisons maintenant et qui fait beaucoup de courses en France. Là, elle avait oublié une chaussure. Petit souci de Kim Parent, ouais. qui a une chaussure qui s'est en fait détachée du pédalier. Heureusement qu'elle s'en est rendue compte là, hein, parce qu'elle peut arriver au bout du parc et se rendre compte qu'elle n'avait qu'une seule chaussure à sa pédale. Les temps de la natation avec des écarts qui ne sont pas très marqués. Arend Kemp et Pecci ont 50 secondes d'avance, une petite minute d'avance sur Carter. Et on va assister maintenant, alors que les filles sont parties pour 40 km de vélo, au départ des garçons, où là on a un représentant français, Stéphane Bigné, qui va tout de suite. Et là c'est un homme grenouille. Alors, on se demandait ce qui se passait, c'était assez étrange. On s'est dit. C'est assez curieux d'ailleurs, la présence de ce ponton avec l'homme grenouille en plein milieu du départ, ouais. C'est un peu une vision étrange. Mais là, on a vu pas mal de choses étranges déjà. En l'occurrence, un lac complètement démonté. À mon avis, le vent doit venir du fond du lac et ça doit débouler vers les nageurs. Et là, la cadence aussi va être difficile. Il y a déjà un peu plus de monde. Et on retrouve donc en compagnie de Stéphane Bigné, eh bien Francisco Marco l'Espagnol, le Hollandais Van der Linden et Thomas Kosa le Tchèque. Qui sera d'ailleurs la vedette de la deuxième étape chez lui à Brno, dans la deuxième partie de l'émission. Oui, Stéphane Bigné du Stade Poitevin qui a décidé cette saison de se consacrer presque exclusivement à la Coupe d'Europe. Il a disputé beaucoup de ses étapes et donc là, lui aussi, il y a une petite montée en puissance là par Stéphane Bigné. C'est un super nageur, c'est un très bon cycliste. En course à pied, maintenant, il arrive quand même à avoir un très très bon niveau. Maintenant, il lui manque peut-être la victoire qui pourrait faire la différence. Petit retour chez les filles pour voir que Kemp est toujours en tête des 40 km de vélo. Vous voyez le circuit autour, ou plutôt à l'extérieur de Genève. Carter est en 2, Pecci en 3. Et on va revenir maintenant sur la natation, où justement Stéphane Bigné est toujours en compagnie des Van der Linden, Kotchar et du Suisse Keller, qui est venu se joindre un peu à l'équipe. Là, il faut faire attention de ne pas gratter la bouée. Ça nous rappelle éventuellement un certain France Iron Tour. Triste mémoire, on va le dire. Ah, les hommes de tête là sont en train de faire la différence quand même sur ces. C'est vraiment pas facile là. Là, on voit qu'il y a effectivement une houle bien marquée et qu'il y a intérêt à prendre ça en son souffle côté droit et de pas trop l'ouvrir côté gauche. Hein. Sur bâbord, bien fermer les écoutilles. On va dire également un petit mot de Nice. Qui traditionnellement s'est couru dans des conditions un peu mouvementées. Ouais, bon, disons qu'il y a eu des chutes spectaculaires. C'est ça, ouais. Surtout chez dans la filles. Course féminine. Ouais. Hein, il y a eu des chutes, notamment une qui a projeté à terre Jenny Rose, qui était la grande favorite de cette course. Elle est venue carrément percuter Sophie Delmer, qui venait de tomber juste devant elle. Et Jenny Rose s'en est relevée avec plus que des contusions. Elle s'est relevée, tout va bien pour elle, mais il y a quand même un traumatisme crânien, etc., etc. Et pour elle, bon, la saison est plus que compromise. Maintenant, heureusement que c'est pratiquement fini. Sophie Delmer n'est pas repartie non plus, donc au bout du compte, eh bien, on retrouve une outsider à la victoire finale. Inès Estet, une Allemande qui, quand même, était championne d'Europe longue distance l'an passé à Jumé, donc c'est pas tout à fait une inconnue. Troisième aussi à Nice l'an passé, donc elle vient confirmer là, avec l'absence des favorites. Alors, chez les garçons, ça ne bouge pas actuellement sur notre Coupe d'Europe. De Genève, c'est pour ça qu'on peut se permettre de revenir sur l'actualité, en l'occurrence Nice. Et chez les garçons, une très belle surprise, c'est la deuxième place d'Olivier Marceau et non pas Moreau. Et là, je crois que ça a été un pari risqué, mais un pari réussi. Hein. C'est vrai, il était lui-même un petit peu dans le doute, Olivier Marceau, parce que pour la Coupe de France des clubs là, qu'il avait remportée avec Poissy, c'était pratiquement deux semaines avant Nice. Et il était un petit peu inquiet parce qu'il avait pratiquement eu pas le temps de s'entraîner véritablement pour du longue distance. Alors, il avait bien deux sorties de 3 heures à vélo, quelques sorties en course à pied, mais pas grand-chose. Et il était assez inquiet pour lui, pour Nice, il partait totalement dans l'inconnu. Au bout du compte, il fait deuxième, c'est sa première expérience sur longue distance. Et ça, c'est plus qu'encourageant parce que l'année prochaine, Nice, ça sera au mois de juin, ça sera en 97 et ça sera championnat du monde longue distance. Et puis bon, bien sûr, la victoire de Luc Van Lierne qui
était pratiquement attendu, sinon annoncé. Voilà, on l'attendait, Luc Van Lier, d'une super saison. Il est champion d'Europe courte distance, vice-champion du monde Stéphane Bignet, alors que l'on voit arriver Stéphane Bignet là pour l'arrivée des hommes. Là, on parle de Genève, on revient sur ce qui se passe en direct. C'est vrai qu'il y a eu des petites longueurs, donc on s'est permis de parler de l'actualité. Et donc Stéphane Bignet qui sort avec Van der Linden, Kotsar. Et quelle heure? On est en distance olympique, je crois que c'est utile de le préciser, c'est-à-dire que là les transitions doivent être très rapides, 1,5 km de natation, 40 km de vélo. Vous voyez les temps de natation, à peine 2 minutes plus rapides que celles des femmes, donc les écarts ne sont pas très prononcés. Et surtout, il y a ce groupe de 5 qui se tient vraiment les uns derrière les autres, et donc les transitions doivent être absolument parfaites. Côté filles, maintenant, on revient sur la course avec toujours Arend Kemp en tête devant Carter et Hammerle vient de prendre la troisième place. Kim Carter, on peut quand même dire un petit mot, elle a fait partie de l'équipe sud-africaine de cyclisme, donc c'est une grande spécialiste du cyclisme, de cette discipline. On va voir ce qu'elle va donner par rapport à Nancy Arend Kemp, qui elle aussi est une très bonne spécialiste, et donc c'est une belle course là, alors que c'est Erik van der Linden qui avait remporté lui l'étape précédente à Schliersee dans les Alpes allemandes, qui est en tête de cette course masculine. Et Stéphane Bignet, que l'on voit arriver là. Bravo. Ah, il n'y a pas de paquet, hein. Alors justement, petite question, parce que là, pour le moment, on n'a plus l'occasion de le voir. J'ai pas l'impression, mais le drafting, en revanche, sur l'ET1, est autorisé ou pas? Normalement, il n'est pas autorisé. Normalement, il n'est pas autorisé en Coupe d'Europe. Il n'y a pas de drafting. Bon, de toute manière, on a vu l'étroitesse des chemins et la manière dont ça se passe. Il ne devrait pas y avoir de soucis. On va se faire dans quelques instants une petite pause pour terminer cette étape de Coupe d'Europe de triathlon sur Genève. N'oubliez pas que dans la deuxième partie de notre émission, on parlera de la Tchécoslovaquie à Brno. On se fait une pause, vous restez bien avec nous, à tout de suite. Étape de Coupe d'Europe qui avait lieu à Genève avec la tête de la course en vélo, Nancy Arend Kemp du Luxembourg, qui a déjà 2 victoires à son compteur cette saison en Coupe d'Europe. Et qui pour le moment a l'avantage sur Kim Carter, la Sud-Africaine et l'Autrichienne Yasmina Merle, que l'on va découvrir dans quelques instants, qui est elle pour le moment à la troisième place. Alors juste avant la pause, nous avions évoqué les résultats de Nice, qui sera donc championnat du monde de longue distance l'année prochaine. Et puis sachez également qu'il y aura un autre championnat du monde. Cette fois-ci, il s'agira d'un championnat du monde indoor. Et on retrouvera Bordeaux. Bordeaux que vous aviez pu suivre sur Eurosport si vous étiez déjà en notre compagnie. C'était il y a 2 ans, 3 ans peut-être même maintenant. L'année d'avant Bercy. Et ça avait été, on s'en souvient, une ambiance tout à fait remarquable. Oui, ça avait été très réussi. Il faut dire qu'il y avait un plateau absolument exceptionnel. Simon Lessing, Mark Allen, Brad Beaven. Et on se souvient de coup de force de Brad Beaven qui était parti pieds nus pour gagner du temps. Ça avait été assez extraordinaire. C'est vrai qu'il y avait une superbe ambiance pour ce premier indoor qui, à l'époque. Et donc là, ça va être la belle championnat du monde cette saison au mois d'avril. Nous revenons sur Genève, où les garçons sont déjà aussi sur la route. Pour le moment, Stéphane Bignet fait partie de ce groupe où l'on retrouve Marcus Keller, Thomas Kotkar, Peter Alder, Christophe Maur. Sachant que devant, Erik van der Linden a pris déjà un petit peu la poudre des scampettes. On voit que les écarts ne sont pas trop marqués pour le moment. Ici, c'est Stéphane Bignet avec le dossard 5. Et voilà le leader, Erik van der Linden. On ne peut pas dire que ce soit un modèle d'élégance, Erik van der Linden.
le bronzage style Jacob Delafont, mais en tout cas diablement efficace parce qu'il a que 23 ans seulement, Eric van der Linden, et on l'a vu apparaître cette année au plus haut niveau. À Quimper déjà, il était bien placé pour la Coupe d'Europe, il avait fait plusieurs places d'honneur et donc il l'a confirmé en remportant en Schliersee. Et donc là encore une fois, eh bien, il confirme son accession au plus haut niveau européen en étant présent dans cette, en tête de cette course. 9e des championnats d'Europe aussi cette saison à Zambatelli. Oui, d'autant que Dennis Luz n'étant pas sur cette course, c'est lui le leader actuel du circuit européen. Il peut commencer à grappiller des points. La route est encore longue, mais il y a moyen de faire quelque chose. Et puis, il y a l'inoxydable Rob Barrel qui pointe quand même toujours à la 3e place de ce classement général. C'est assez spectaculaire. Pour quelqu'un qui a vu, pour quelqu'un qui voulait arrêter. Ouais, ouais, tous les ans il nous dit bon c'est bon c'est j'arrête, je vais faire quelques petites courses comme ça pour m'amuser. Et en fait il s'amuse toujours au plus haut niveau et toujours là, 3e à Nice cette année encore, hein, faut pas l'oublier. Ouais. Derrière Luc Van Liert et Olivier Marceau. Donc Van Liert c'est quand même la confirmation cette saison, hein, on l'a dit. Il était déjà 2e l'an passé, il est champion d'Europe, vice-champion du monde longue distance, vice-champion du monde courte distance. D'ailleurs, ça nous amène. C'était le favori et oui. Il a gagné. D'ailleurs, ça nous amène à se dire, là, tous ces résultats, ce serait intéressant d'avoir une confrontation avec Simon Lessing, un de ces quatre, voir ce que ça donne. Où elle a eu lieu au championnat du monde. Elle a eu lieu au championnat du monde, a eu lieu l'an passé à Nice aussi, ouais. Puisque Simon, elle avait remporté devant Luc Van Liert. Mais c'est vrai que cette année, Luc Van Liert, il a 27 ans et il est une pointure au-dessus de ce qu'il était l'an passé. Et c'est vrai que, bon. Sur ce qui s'est passé à Cleveland avec le drafting et tout, bon, c'était un format assez particulier. Voilà, il faudrait le voir dans des circonstances différentes, voir un peu ce que ça donne. Encore que c'est vrai, les talents de course à pied de Simon Lessing, enfin tout ce qu'il a démontré au niveau résistance et conditions physiques sont spectaculaires. Ouais, mais enfin, Luc Van Liert a couru 40 secondes plus vite que Simon Lessing au championnat du monde à Cleveland. Exact. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien les voir face à face là, dans des conditions un petit peu normales, on dirait quoi. On est sur l'aire de transition ici à Genève avec Caparent qui est sur le tour du lac. Dans quelques instants, nous referons le point au niveau de l'élite homme. Avec Amerlec, Carter, deuxième et troisième. Et là, il reste maintenant 10 km de course à pied pour Arend Kemp, qui s'est lancé. Derrière Amerlec, Carter. Et là, visiblement, l'avance de la luxembourgeoise de Nancy Arend Kemp a l'air suffisante maintenant pour pouvoir contrôler ce qui se passe derrière. Amerlé ne fait partir que maintenant, ce qui veut dire qu'elle a vu de nez, hein, en dehors de l'aspect du montage, visiblement bonne 45 secondes d'avance. On va voir donc les temps exacts maintenant des écarts. Il y a pas tout à fait 2 minutes d'écart entre Kemp et Amerlé. Ensuite, Carter a été dans la foulée de l'Autrichienne. Et derrière, elle ne joue plus pour la victoire. On a vu qu'il y avait Maribel Blanco en 5e position. Attention à l'Espagnole, c'est une super coureuse à pied. Et elle est capable de revenir aux abords du podium, même si elle a pas mal de retard. En tout cas, elle est capable de venir disputer une place sur le podium. Parce qu'elle, c'est véritablement une grande spécialiste de la course à pied. Alors qu'Eric van der Linden, lui, est en train d'en finir avec ses 40 km de vélo. Nancy Arend Kemp, elle se met toujours un petit quelque chose là dans le maillot, soit une bouteille, soit des éponges quand véritablement il fait très chaud, mais elle aime bien courir avec des trucs, elle aime bien transporter quelque chose. Hein. Ouais. Voilà, elle est relativement cool quand même, on lui a donné les écarts. Ouais, paisible. Pas trop besoin de se rentrer dedans, elle assure. Hein. Là, c'est Van der Linden qui file maintenant pour 3 tours, non pas de lac, mais 3 tours de 3,3 km. Je rappelle qu'en distance olympique, la course à pied, c'est 10 km. Il va falloir bannir ce terme distance olympique, Eric. Vous savez que le label olympique est protégé et que. Oui, on n'a pas le droit d'utiliser comme courte ça. Distance. Courte distance. Voilà. Ouais, bah. C'est vrai que c'est difficile de se défaire de certaines habitudes comme celle-là. Hein. On va essayer d'être sportivement correct donc, mais il est évident que c'est la distance qui a donné le label olympique et qui reste un peu la référence. Les écarts maintenant chez les garçons. Van der Linden, pas grand-chose d'avance. Hein. C'est maigre sur Maur.
Keller, qui sont des garçons aussi qui sont relativement redoutables. Puis Stéphane Bigné est un peu lâché pour le moment. Et on retrouve toujours Nancy Ehrenkamp qui démarre maintenant son deuxième tour. Trois Suisses à la poursuite de Eric van der Linden, hein, dans l'ordre. Hein. Mar, Keller et Alder. Alder qu'on avait vu très bon aussi, Schlierse qui était sur le podium. Et là, on voit Nancy Ehrenkamp qui est en train de revenir sur les retardataires. Les retardataires, c'est ça. Je crois que c'était utile de le préciser. Je rappelle, ouais. 3,3 km, la longueur d'un tour. Et ça en dit long d'ailleurs sur l'avance qu'elle peut avoir sur le reste. On a derrière Amerle qui essaie de tenir, surtout sur le retour de Carter. Avec, vous pouvez le voir, donc un système de circuit qui permet bien évidemment lors des demi-tours de voir à chacun les écarts qui les séparent. C'est pas la grande foule quand même, hein, pour venir voir ces triathlons. Hein. On avait coutume de dire qu'en Suisse, il y avait un public sportif qui se levait tôt. On pensait à Zofingen où à 7h du matin il y a un monde fou. Et il y a quand même du monde ici. Mais vu le beau temps, il y avait peut-être plus de monde au bord du lac qu'à sur les plages. Ouais, venir soutenir les Van der Linden et autres en tête de la course. Foulé à l'aise, hein, pour Van der Linden. Ouais, c'est un beau coureur, hein. Il a un style très élégant, efficace aussi, et ça va être difficile pour Keller, qui a pas l'air aussi à l'aise, hein. Mais qui revient, il semble revenir assez fort quand même, hein, Keller, mais c'est vrai que bon, Eric van der Linden va lui aussi sentir qu'il y a quand même une deuxième victoire pratiquement consécutive là en Coupe d'Europe à sa portée, et Christophe Mauch qui est troisième là pour l'instant. On l'avait un petit peu perdu de vue cette saison, Christophe Mauch, et là on le revoit avec plaisir revenir un petit peu dans les classements. Il avait un petit peu disparu apparemment pour blessure, et donc là il est en train de revenir un petit peu en forme en cette fin de saison. Course gagnée, là je crois qu'on peut l'annoncer sans aucun problème pour Nancy Kemp, qui dès le départ, dès la natation, a su sortir en tête. Bien négocier les flots, et là c'est amusant, on a les deux leaders sur le même plan. Ce qui va permettre à Nancy Kemp, eh bien, de passer devant la Hollandaise Suisse, puisqu'elle était devant elle, Suisse était en tête du circuit, et là maintenant c'est avec cette victoire Nancy Kemp qui est la nouvelle leader du circuit Europe de la Coupe d'Europe. Elle avait été leader, elle avait été doublée par Mickey Suisse, la Belge. Ouais. Et donc là, avec cette victoire, eh bien, elle reprend à nouveau la tête. Nouveau la tête. Ouais, c'était assez serré chez les filles. Hein. Il y a 5 points d'écart entre Migisius et Kemp, 615 contre 610. Pierre Cessiot, le speaker, c'est le speaker officiel de la Fédération française de triathlon, qui était venu faire une petite pige à Genève. Là. Et ça n'a pas bougé derrière, hein, finalement. Non, à Merle. Va terminer 2. Kim Carter à la 3e place. Avec des écarts entre les 2e et 3e qui sont tout le temps à peu près restés les mêmes. Hein. Ça n'a pas trop bougé. Oui, la première est en 2,08, 2,10, 2,10, 2,11 pour Maribel Blanco qui revient effectivement très fort. C'est elle qui signe, vous aviez raison Christophe, qui signe le temps le plus rapide sur la course à pied en 31-27 contre 32-35 pour Nancy Kemp. Ouais, c'est 31-27, c'est plus qu'honorable sur un 10 km. Hein. Oui, alors c'est le... on a donc quelques mots du vainqueur. Nancy Kemp qui dit, j'ai commencé avec ma discipline favorite, la natation. Je suis sorti après avec les meilleurs. J'ai eu une bonne course en vélo avec une avance confortable. Et ça, c'est beaucoup plus facile de garder la tête si on est en tête plutôt que d'être chassé ou de chasser quelqu'un d'autre. Van der Linden, lui devant. Eh bien, il faut savoir que Maribel Blanco, donc, a tourné en 31-27. Eric van der Linden, lui, va tourner en 27-47, mais lorsqu'on descend un petit peu dans le classement, on s'aperçoit que le 8e de cette course tournera dans les mêmes temps que Maria Blanco, ce qui veut dire que
Effectivement, ça a avancé. Hein. On peut quand même un petit peu s'interroger sur la réalité des 10 km. Parce que courir en 27 minutes, c'est niveau record du monde sur une piste. Hein. Donc bon, il n'y avait peut-être pas tout à fait la distance. Puis il y avait du vent en plus. Les 10 km sur la course. Hein, parce que 27 minutes, là, c'est quand même très très fort. Hein. Bon, Van der Linden est 1. Marcus Keller, qui arrive ici, est à la deuxième place. Ça n'a pas vraiment bougé là non plus. Oui, une course qui s'est faite en... Il y a une erreur là, ils ont tourné en 1h53, ce n'est pas le temps qui était affiché. Christopher Maurer est troisième. Peter Halder, lui, va terminer également encore un Suisse. Il y a trois Suisses parmi les quatre premiers. Fort, à la quatrième place. Et Stéphane Bignier, cinquième. Qui marque des points encore pour la Coupe d'Europe, c'est bien. Classement provisoire de la Coupe d'Europe, c'est Dennis Luz devant Van der Linden. Et Van der Linden qui était plutôt surpris en vélo, j'ai eu une très bonne course. J'ai pu travailler seul, creuser l'écart, malgré le vent. J'étais un peu surpris, mais je pense qu'il fallait être particulièrement fort et je pense que je l'ai fait. Et puis en course à pied, j'ai pensé qu'ils allaient remonter, ils revenaient très fort, mais au bout d'un tour, j'ai vu que je maintenais l'écart et j'ai décidé de continuer d'aller à fond. Et puis ça a marché. On va se faire une petite pause, on se retrouve dans quelques instants avec une nouvelle étape, celle de Brno. En République tchèque, à tout de suite.